Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission L'Aparté. Alors ce soir, nous parlons de football et nous avons un invité qui a eu une très belle carrière au sein de notre équipe nationale. Je vous propose de suivre sa biographie dans ce portrait commenté par Marie-Angéline Béavouki. Kemel Zayat, né le 7 mars 1985 à Conakry, est footballeur international guinéen évoluant au poste de défenseur central. Il participe à la Coupe d'Afrique des Nations 2008, puis à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec la sélection guinéenne. Formé au RC Lens, Zayat ne s'impose pas dans ce club. Il est ainsi transféré en janvier 2007 au club suisse du BSC Young Boys. Avec cette équipe, il dispute deux matchs en Coupe de l'UEFA. En septembre 2008, il rejoint l'équipe anglaise de Hull City. Avec ce club, il dispute notamment 55 matchs en Premier League. En janvier 2011, Zayat se dirige vers la Turquie et le club de Konyaspor. Puis en juin 2011, il s'engage avec le club d'Istanbul Bébé. Kemel Zayat participe à deux Coupes d'Afrique des Nations avec l'équipe de Guinée. En 2008, où il atteint les quarts de finale, puis en 2012, où la Guinée est éliminée dès le premier tour. Il participe également aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, puis de la Coupe du Monde 2014. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, monsieur Kemel Zayat. Bonsoir. Vous préférez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voie? Vous êtes plus à l'aise. Ok. Alors, Kemel Zayat, tu es né en 7 mars à Bessia Port-en, dans la banlieue de Conakry. Et donc, tu es benjamin de 8 enfants. Oui. Et pendant ton enfance, ton amour pour le football a dominé même les études. Pourtant, ton père n'était pas très d'accord sur ce côté. Et comment tu as réussi à accepter, réussi à le faire comprendre pour qu'il accepte ton choix pour le football? Tout d'abord, ça a été un peu compliqué. C'était difficile pour moi d'assimiler les études avec le football, qui était ma passion, et qui avait dominé en gros la plupart de mon temps. Après, vous savez, vous venez de le dire, mon père était un enseignant. Et il était directeur national de l'éducation. Il a parcouru un peu toutes les villes de la Guinée à un moment donné. Et moi, j'étais tellement passionné par le football que j'ai essayé de lui faire comprendre que moi, ma passion, c'était le football. Mais lui, il tenait vraiment à ce que ses enfants aillent à l'école, parce que mes frères et sœurs ont fait des études et moi, non, par rapport au football, quoi. Donc, et en gros, j'avais aussi le soutien de toute la famille, mes frères, notamment mon grand frère qui est Mustapha Chaloub, qui m'a poussé, qui m'a encouragé et qui est en quelque sorte un deuxième père pour moi, quoi. Et qui m'a soutenu avec l'appui de la maman aussi. Et ça a fait que le papa, on l'a fait comprendre que moi, c'était le football. Le foot, mais exactement. Tu as quand même réussi à avoir quelques bases, tu as fait quelques classes quand même. Oui, exactement. J'étais à chaque fois, pendant mes années d'études, j'étais tout le temps dans les trois premiers, que ce soit en primaire ou au collège. Et j'ai arrêté tôt l'école, j'ai arrêté en huitième année. Et je suis parti en Tunisie. Mais tu as quand même réussi à concilier foot et études jusqu'à un certain niveau. Ouais, jusqu'en huitième année. Mais après, tu ne pouvais plus. Après, j'ai opté pour le football. Je suis parti en Tunisie. J'ai passé 6 mois là-bas. Et quand je suis revenu, on a voulu me mettre à l'école encore. Non. J'ai dit non, j'ai goûté au football. Je veux devenir footballeur. Et c'est ça mon rêve et tout. Et dans une interview que j'ai lue, votre mère a confié qu'à l'époque, vous vous cachiez pour aller jouer au football, même si vos frères et sœurs vendaient la mèche ensuite à votre père. Exactement. Et ça se passait très mal. Comment ça se passait quand il était et au courant? Ça arrivait souvent que je quittais l'école et avec mes amis d'enfance.
On partait parce que sur le chemin de l'école, il y avait un terrain de foot. Et au retour, quand on arrivait sur le terrain, des fois, on ne partait même pas à l'école, on partait directement au terrain. Et on retournait nos tenues d'école à l'envers. On jouait et après les matchs, on remettait à l'endroit encore. Quoi. Pour ne pas revenir sale. Exactement. Et à la rentrée maintenant de la maison, souvent le papa il est assis devant la porte et tout. Et comment faire pour rentrer sans qu'il te voit sale ou avec les vêtements déchirés et tout ça là. Après, il y a, comme vous venez, tu viens de le dire, il y a mes sœurs ou les frères qui vendaient la mèche et tout, et c'était un peu compliqué. Quoi. Parce qu'après, papa était fâché. Exactement. Tes débuts, c'était à Conakry, c'était le FC François et FC Doumbouya. Comment tu as... FC François, c'était mes amis d'école, mes amis d'enfance. Et François était comme un grand frère à nous. Et il nous voyait jouer dans le quartier, il nous a pris ensemble et il a formé une équipe. Et c'est là-bas que moi j'ai débuté. Après, FC Ndunga avait un peu plus de niveau que FC François. Et c'est mes grands frères qui jouaient là-bas, notamment Hassan et mon oncle qui est Megaria, qui est en Belgique aujourd'hui, et Hassan est en France. Donc, eux, ils m'ont pris avec eux pour pouvoir progresser, arriver à un niveau pour essayer de partir en Europe, quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans FC Ndunga. Et Camille Zayat, après ces clubs, tu es arrivé jusqu'au niveau du Chili national. Comment ça s'est passé? C'était un rêve pour moi d'être un jour appelé en équipe nationale. Surtout quand je suis arrivé en France, j'ai commencé des étapes. Je suis parti à l'ACBB. À l'ACBB, j'ai intégré le centre de formation du RC Lens. Et à partir de là, je me suis dit, donc, je suis là, il y a mon rêve, c'est presque, j'ai un pied dedans, quoi. Donc, c'était à moi de faire tout ce qu'il fallait pour arriver en Sili National. En Sili National, ma première sélection, c'était à Conakry, ici. Okay. C'était contre l'Algérie, je pense. Vous vous rappelez de l'année ? C'était en 2008. Ouais. Et Camille Zayat, comme tu l'as dit, ça faisait partir de tes rêves d'être dans l'équipe nationale. Mais comment tu t'es senti le jour où tu as porté le brassard de capitaine de l'équipe nationale? Et si je vous dis que pendant tout le temps que j'étais pas encore en Sili, j'ai jamais été au stade pour un match du Sili national. J'ai jamais été regarder le Sili National, mais mon rêve, c'était de jouer un jour pour le Sili National. Donc, c'était une fierté pour moi. Parce que ma première sélection, et je me suis retrouvé à l'arrivée à l'aéroport, j'ai été surpris de voir ma mère à l'aéroport qui était venue m'accueillir parce qu'elle était tellement fière de moi. Parce qu'à chaque fois que je l'avais au téléphone, je lui disais... Et en gros, c'est... à cause d'elle que moi j'ai choisi de jouer pour le Sili National, pour l'amour qu'elle avait pour ce pays et que l'amour que j'ai pour ce pays aussi. Donc le jour où je me suis retrouvé en Sili National, c'était un jour inoubliable, quoi. Et du fait aussi qu'on m'a passé le brassard étant le plus jeune de cette génération, parce qu'à l'époque j'avais 19 ans, et devant les Fodé, les Bobo, les Pascal Fenduno, Kaba Diawara et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'était parce que vous étiez... En gros, je ne me laissais pas faire. On m'appelait en quelque sorte la grande gueule de l'équipe. Et parce que quand ça n'allait pas, j'étais là pour engueuler les grands comme les petits. Donc à force de faire ça, un jour, le coach, à chaque réunion, et moi j'étais étonné qu'il m'appelle. Et il me dit les membres, les plus grands ou les responsables et tout. Et je faisais tout le temps partie de cette équipe. Et un jour, il m'a appelé, il me dit, voilà, je sens que tu es prêt et à recevoir le brassard. Parce qu'avec Pascal, ça n'allait pas. Et il était un peu en désaccord avec Pascal. Et moi, il a senti que j'avais ce caractère pour diriger cette équipe, quoi. Et Camille Zayat, comment tu te sentais quand tu savais que toute une nation comptait sur toi pour gagner un match? C'est inexplicable. C'est tellement fort que
On avait une responsabilité, surtout moi, en tant que capitaine, j'avais une responsabilité déjà de comme tu viens de le dire, de toute une nation et avec un groupe aussi que je devais diriger sur le terrain. Et ce n'était pas évident, mais j'ai su, dans ma petite carrière, j'ai su faire ce qu'il fallait pour amener cette équipe. Même si mon rêve, c'était de gagner quelque chose avec cette équipe nationale, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je suis fier de ce que j'ai fait en équipe nationale. Et est-ce que tu te rappelles d'un de tes plus beaux souvenirs dans cette équipe nationale? Oui, c'était mon premier match et la convocation, comme je te l'ai dit tantôt. Quand j'ai vu mon père et ma mère à l'aéroport pour venir m'accueillir, parce que et à l'époque, il y avait un peu de distance entre les deux. Pas, comme vous le savez, dans toute famille, il y a des hauts et des bas. Et moi, les retrouver à l'aéroport, venir m'accueillir avec beaucoup d'amour, et c'est un des plus beaux moments de ma carrière de footballeur. Et est-ce qu'il y a eu un pire match que vous ne pouvez pas oublier? La dernière CAN. Parce que je suis parti là-bas blessé et j'ai vu comment les choses se sont déroulées et j'avais la seule chose, l'envie que j'avais, c'était de rentrer sur le terrain. Et à la fin du match, on s'est fait éliminer, j'ai même pleuré à la télé, je pense que tous les Guinéens ont vu ça. Oh là là. Parce que j'avais envie de... J'étais là, mais je ne pouvais pas apporter. Parce que c'est toute une équipe, Exactement. Tu n'étais pas seul. Ouais. Alors Camille Zayat, nous, on a une série de photos avec nous que vous allez regarder, faire défiler et nous dire où est-ce qu'ils ont été prises. Oh, ça c'était à l'époque de RC Lens. Okay. C'était ma première année en professionnel. D'accord. Ouais. Faites défiler. Ah. Simon Fenduno, c'est mon ami, mon meilleur ami dans ma carrière de footballeur. Okay. Il m'a apporté beaucoup quand je suis arrivé de... Quand je suis arrivé à Lens, il m'a pris dans sa chambre et on a beaucoup traîné. J'ai beaucoup d'histoires avec ce monsieur. Avec l'autre photo. Ça, c'est mes débuts à Paris. Ça, c'était à l'ACBB, mon tout premier club en France. Et ça, on était en déplacement et ça, c'était dans les chambres d'hôtel. C'est là que tout est parti. Ah, ça? Ouais. C'est la même photo, c'était... Et le jour-là, je pense que c'était le jour où on m'a fait revenir en arrière. Parce qu'avant, je jouais attaquant. Okay. Donc le jour-là, le coach m'a vu, il me dit, bon, on va t'essayer derrière parce que à chaque fois qu'on joue, pour gagner, il fallait marquer au moins 2 ou 3 buts. Et le jour-là, on a gagné 1-0. Ah ouais. Wow. Où vous avez vu ça? Mais c'est l'aparté. Alors, décrivez-nous la photo où elle a été prise. Ça, je pense, c'était à Gbessia, dans la grande famille. Je suis dans les bras de mon oncle qui a beaucoup contribué à ma carrière aussi. Parce que c'est lui qui est venu voir ma famille pour expliquer que je devais partir avec lui en Tunisie. D'accord. C'est avec lui que je suis parti en Tunisie. Et sur la photo, il y a mon meilleur ami de l'époque aussi. Et il est toujours là. Il y a ma grande sœur Amzié. Il y a ma grande sœur, celle qui vient, parce que je suis le dernier, et celle qui vient avant moi, Aïcha. Elle, c'est ma confidente. Moi, avec une autre photo. Oh! C'est ma jumelle. Ta fille. Maman, ouais. C'est ma jumelle. Elle me manque beaucoup. Ah là là. Ouais. J'ai tellement envie de l'embrasser, de la voir à mes côtés. Ça, c'est quand j'étais à Lens.
Je pense que le maillot là, c'est Lilian Thuram qui m'avait offert le maillot là. Ok. Parce qu'ils avaient joué un match à Lens à l'époque. Et le lendemain, on a fait une opposition. Et ils ont joué contre nous. Et à l'époque, il y avait les Zidane et autres. Et c'était ma toute première fois de voir Zidane. Et Lilian Thuram, il m'avait offert ce maillot. C'est le jour... le jour de mon mariage. Ah, d'accord. Ouais. Avec mon grand frère Hassan et ma grande sœur. C'est chaud, hein, de revoir les photos, là. C'est la dernière ou il y a... Non, il y a deux autres. Okay. C'est toujours la photo du RC Lens. Ça, c'était mon premier match. Ça, c'était... Je venais juste de prolonger. On avait fait des photos de groupe. Et je me souviens encore, j'étais toujours avec Simon. Et il a toujours été là pour moi. Ça, c'était mes débuts à Paris, mes moments de galère, la dernière photo. Donc, ce sont des souvenirs qui restent. Ouais. Je ne sais pas où vous avez trouvé des photos. Même moi, je n'ai pas ces photos-là. Ah oui. Et voilà, donc, vous le voyez, nous sommes dans votre émission, l'aparté, l'émission qui sort les souvenirs les plus lointains. À présent, nous allons avec la rubrique à Javuto. Un retour sur ce plateau. Alors, Kamil Zayat, tu vas ouvrir cette boîte, piocher 5 questions, lire à haute voix et puis répondre. Ce sont des questions très simples. J'espère. Mais bien sûr. Donc, la toute première question. Quel est votre péché mignon? La bouffe. Ouais, la bouffe. Le riz. Hey, le vrai Guinéen. Ouais, et sauce arachide. Ah, ok. Ouais. Donc, on va avec la deuxième question. Quelle est votre chanson préférée? Et c'est les Noëlles. Bimbis. Ouais. Ça, est-ce que c'était votre époque? Hein? Ouais. C'était à l'époque. J'étais même dans le clip. Exactement. Donc, j'ai eu un bon moment avec eux aussi. Ils sont devenus mes potes par finir et tout. Même hier, j'étais au téléphone avec la femme de Marcus. Ah, c'est bien. Qui m'a invité à son anniversaire. Ah, c'est bien. Ouais. Qui a été votre plus grande inspiration dans la vie jusque-là? C'est ma mère. Ok. Ouais. Elle est où? Où est-ce qu'elle se trouve? Ça va aller. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Ma mère est décédée, ça fait à peu près, je crois, 6 ans maintenant. Elle était tout pour moi. Ouais. Vous retenez beaucoup de choses d'elle, c'est sûr. Elle est partie avec une partie de moi. Elle était tout, comme je viens de le dire. C'était ma confidente. Et à chaque fois que j'avais un problème, il suffisait juste que je l'appelle. Elle trouvait les solutions. Ouais. Elle avait les mots justes. Et après, elle, c'est mon grand frère, Mustapha, qui est pour moi un deuxième père. Quoi. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est en gros grâce à lui. Quoi. Parce qu'il a toujours été là pour moi. Et jusqu'à maintenant, il est, comme je l'ai dit, c'est un père pour moi. Ouais. Donc, on va prendre la dernière question. La toute dernière. Parlez-nous de la situation la plus embarrassante que... dans laquelle vous vous êtes retrouvés.
À l'école primaire. J'avais une amie avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Et je dirais qu'en gros, on sortait ensemble, mais j'étais un peu timide quoi, à l'époque. Et un jour, j'avais écrit une lettre, j'avais envoyé une lettre, et c'est tombé dans les mains de notre professeur. Et la fille, elle était la nièce du prof. Ouais. Et devant toute la classe, il a lu la lettre et tout. Moi, j'étais là. Déjà timide? Timide et imaginez alors ce qui s'est passé derrière. Quoi. Donc, c'était la rubrique J'avoue tout. Kamil Zayat, nous, on va continuer avec les questions. Okay. Parlons à présent de ta vie privée. Mm-hmm. En 2007, tu t'es mariée avec Madame Aïcha Keita. Vous avez eu 3 enfants. Mm-hmm. Alors, dites-nous un peu comment tu l'as rencontrée. Ma femme, elle me manque beaucoup. Mm-hmm. Parce que là, elle n'est pas là, elle est en Angleterre avec les enfants. L'histoire de ma femme, j'étais arrivé en vacances à Conakry après 3 ans en Europe. Et j'étais venu en vacances. Et en gros, ma femme, c'est une cousine à moi, une cousine éloignée. Et à l'époque, quand je venais, il y a mon oncle qui m'avait passé des colis pour aller déposer chez son père et tout. Et ma femme vivait là-bas à l'époque, chez sa grand-mère. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé sa petite sœur qui est Awa Keita. Et quand je suis parti, elle a appelé sa sœur pour lui dire qu'il y a un de nos cousins qui est arrivé ici. C'est un beau gosse. Et je vais te le présenter, tout ça là. Mais malheureusement, le jour-là, je n'ai pas eu le temps de repasser là-bas. Et je suis parti en Europe. Je suis reparti en France. Et je suis... Les colis... En partant, mon oncle m'a remis des colis, et son père m'a remis des colis pour lui encore. Et quand je suis arrivé chez eux, j'ai vu des photos, j'étais en train de regarder des photos de famille, des photos de mariage de mon oncle et ma tante qui s'est mariée à l'époque à Conakry. Et j'ai vu les photos, je suis tombé sur une photo, j'ai appelé ma tante, la femme de mon oncle, j'ai dit « mais c'est qui elle ?» Il me dit, c'est Aïcha, c'est la femme de mon fils. Son fils avait, je pense à l'époque, il avait 5 ans. Ok. Voilà, il dit, c'est la femme de mon fils et tout. J'ai dit, non, elle, c'est ma femme. Ouais. Et je l'ai vue de suite, j'ai dit, elle va être ma femme. Et donc, Kamil Zayat, comment toi, tu as réussi à faire la part des choses entre la star d'une équipe nationale et le père de famille, connaissant un peu la réputation des footballeurs guinéens? Vous savez, moi, je me suis marié très tôt. Je me suis marié à 19 ans. OK. Ouais. Dès que j'ai signé professionnel, j'ai voulu caser ma vie. Je me suis dit, je vais me ranger. Et j'ai opté pour le mariage. Et à l'époque, toute la famille n'était pas unanime. Et moi, j'ai dit, je veux me marier parce que je sais de quoi je vis tous les jours quand je ne suis pas sur le terrain, quand on sort. Je sais tout ce qui tourne autour de ça. Et c'est là que j'ai dit à ma mère, je veux me marier. Et c'était pas évident pour elle non plus. Elle me dit, tu es jeune et il faut attendre, il faut d'abord construire, il faut préparer l'avenir avant de te lancer dans le mariage. J'ai dit non, je veux me marier parce que je sais de quoi je vis tous les jours. Quoi. Mm-hmm. Après, c'est arrivé l'histoire de Starmania. Oui. On avait des fans qui étaient... Et ça n'a pas joué sur le mariage? C'était un peu difficile au début pour ma femme de voir tout ce monde autour de son mari. Mm-hmm. Mais après, je lui ai fait comprendre les choses. Et même jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu difficile pour elle. Et surtout quand je ne suis pas là, parce que je suis entre la Guinée et l'Angleterre maintenant. Et vous savez, avec du recul et avec beaucoup d'expérience que j'ai acquis autour de ma carrière,
Et j'essaie maintenant de faire la part des choses, quoi. Ok. Ouais. Vous essayez alors. Kamil Zayat, pour tes enfants, tu es quel type de père? Je suis un papa qui, quand il faut... Quand il faut punir, je punis, mais je suis quelqu'un qui est tout le temps aux côtés des enfants. Je rigole avec eux, je les fais sortir, et surtout avec ma fille. Et les autres disent que c'est elle que j'aime le plus, alors que c'est pas jumelle. Vrai. La jumelle. Voilà. Et c'est quand je suis à la maison, même quand je jouais, quand je suis fatigué, quand je rentre du sport, c'est elle qui vient, elle se met à côté, elle commence à me masser les pieds et tout. Donc, ça fait que j'ai eu plus de lien avec elle que les autres, mais je suis un papa poule. Poule. Ouais. Alors, dans cette émission, Kamil Zayat, ta fille et ta femme ont voulu participer. Elles t'ont fait un message que tu vas écouter. Et moi, je suis Mme Zayat, je suis la fille de Kamil Zayat. Kamil est un mari formidable, c'est un excellent père. Il est gentil, il est généreux et il est toujours prêt pour aider ses prochains. C'est un moqueur hors pair, il aime beaucoup se moquer. Mais ce qu'on retient de lui, c'est sa force de caractère. C'est une personne vraiment qui a un mental d'acier. Il ne se laisse pas faire malgré tout ce qui lui est arrivé, notamment sa blessure. Il s'est toujours relevé, il s'est battu pour ses rêves, pour ce qu'il voulait. Et pour ça, on est vraiment fiers de lui, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il inspire les gens pour... il inspire les gens et si j'avais le choix de changer de père, j'allais jamais changer mon père. Voilà. On te fait un gros, gros bisou. Je t'aime, papa. Bye. Alors, c'était la dernière surprise qu'on avait gardée pour toi, Kamil Zayat. Ça fait plaisir de les voir. Et... Comme déjà, elle te manque et tout ouais, ça. Ouais, alors, exactement. La dernière question, Kamil Zayat, quels sont tes projets après le football? Quels sont tes projets maintenant? Je suis actuellement à Conakry et j'ai mis en place une académie qui a commencé à tourner. Notamment, on a envoyé deux joueurs à Dubaï, qui sont en train de passer des essais là-bas. Et un autre aussi, ils étaient deux à partir à Dakar, à Génération Foot. Et eux, ils sont encore là-bas. Et donc, après ça, je suis là pour mettre en place d'autres projets, notamment dans tout ce qui est lié au football encore, et notamment l'équipe nationale, parce que nous, les anciens, on veut maintenant se rapprocher de cette équipe, parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile et on voit de tout et du n'importe quoi, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau du ministère. On a un peu l'impression que nous, les anciens de ma génération ou de la génération de Pascal Findouno, on est un petit peu mis à l'écart. Donc, on a tenu des réunions, on veut aussi avoir un mot une place dorée dans tout ce qui est lié au football, quoi. Parce qu'on a arrêté, comme je l'ai dit au début de l'émission, moi j'ai arrêté tôt le football, l'école pour le football. Mm-hmm. Et je me suis adonné à mon rêve, à quelque chose que j'aime. Et à la fin de ma carrière, ça ne veut pas dire que c'est fini pour moi aussi, quoi. Donc le métier de football, pour moi, c'est jusqu'à la mort, quoi. Et aujourd'hui, je suis là pour faire bouger les choses et pour nous faire entendre aussi, quoi. Donc, après, l'autre projet aussi, comme je l'ai dit, c'est de chercher des partenaires pour la construction d'une académie, et une académie de football, comme l'exemple de M. Soiré ou de M. Kerfala KPC. Et c'est un projet qui me tient à cœur aussi. Donc, je suis là pour mettre tous ces projets en place. Et voilà.
Donc tout va avec le football avec vous. Quoi. C'est moi, quoi. C'est football, football, football. D'accord. Merci beaucoup, Camille Zahed, d'avoir accepté l'invitation merci. De toute l'équipe de la Ça Partée. A été un plaisir. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Merci à toute l'équipe technique et à la réalisation pour cette émission. Vous pouvez suivre la rediffusion de ce numéro sur notre page YouTube ou suivre toute l'actualité de la Partée sur la page Facebook, la Partée-Dioma TV. Merci. Merci et j'espère vous retrouver une autre fois avec un autre invité. Portez-vous bien.